première chronique de notre nouvelle rubrique consacrée aux séries, c'était une évidence pour moi de vous parler de ma préférée, Magnum, diffusée aux États-Unis de 1980 à 88. Si elle est encore populaire de nos jours, ce n'est pas forcément pour les bonnes raisons. En effet, le grand public ne se rappelle que des éléments superficiels de la série, à savoir la Ferrari, les beaux paysages d'Hawaï, mais également la chemise à fleurs et surtout la moustache de Tom Selleck. Mais le soleil brillait, la brise était fraîche et les choses étaient redevenues normales au paradis. Mais hélas, il y avait aussi Higgins. Élément qui masque une œuvre beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît et dont les audaces scénaristiques et visuelles influenceront de nombreuses séries des années 2000. Pourtant, au départ, elle n'a pas été spécialement conçue pour l'amour de l'art. En effet, la chaîne CBS voulait une nouvelle série pour remplacer Hawaï Police d'État qui venait de s'arrêter, ce qui permettait de ne pas fermer leur bureau dans cette célèbre île paradisiaque. Mais dès le départ, le producteur Donald Paul Belisario décide de s'amuser et de détourner tous les codes des récits de détectives privés. Les ruelles malfamées seront donc remplacées par les paysages d'Hawaï et le vieil impère par des chemises à fleurs. C'est la rencontre entre Agatha Christie et Arthur Conan Doyle. C'est magique. Excusez-moi, je retourne me coucher. Magnum! Ah oui, je suis sûr de rêver encore. Thomas Magnum est un ancien lieutenant dans l'armée américaine, devenu depuis détective privé. Dans le premier épisode, et à la suite d'un pari avec le romancier Robin Masters, il réussit à s'installer dans sa somptueuse propriété d'Hawaï et même à se servir régulièrement de sa magnifique Ferrari qu'il détruit fréquemment à cause de ses enquêtes. Vous n'imagineriez jamais ce qu'un homme est capable de faire. Prenez-moi. Comme vous voyez, je suis ce matin en train d'essayer de pénétrer par effraction dans la propriété de Robin Masters. Vous savez, ce grand écrivain, un de nos best-sellers actuels. Et ce, au grand dam du majordome de la propriété, Jonathan Higgins, interprété par Johnny Lerman, ancien officier de l'armée britannique, très gardé et constamment accompagné de ses deux chiens féroces, Zeus et Apollon, spécialement dressés pour s'attaquer à Magnum quand celui-ci tente d'approcher la voiture. Étant donné que vous semblez avoir envie de vivre ici de façon permanente, je me vois dans l'obligation d'établir vos prérogatives territoriales. Lesquelles ? La maison, les écuries, les terrains de tennis feront partie de mon territoire. Vous aurez la maison d'amis et la voiture. Quant à la piscine, nous la considérerons comme zone démilitarisée. Vous êtes sérieux, là ? Tout à fait. Sur l'île se trouvent également deux anciens camarades de Magnum au Vietnam, à savoir Rick, alias Larry Manetti, propriétaire d'un bar très populaire, et l'informateur de Thomas, grâce à ses petites accointances avec la pègre. Ne me paye pas ta tête, cette femme n'est pas une femme comme les autres. Tu la connais à peine, comment tu peux dire ça ? Quand je suis amoureux, je suis amoureux. J'ai pas déjà entendu ça quelque part ? Est-ce que tu veux m'aider, oui ou non ? Sans oublier Terry, joué par Roger E. Mosley, pilote d'hélicoptère de tourisme, devant sans cesse conduire Magnum à l'autre bout de l'île pour ses enquêtes. Écoute, je t'expliquerai tout ça une fois en route. Allez, emmène-moi. Non, je suis désolé, je t'y conduirai pas. Aussi longtemps que j'aurai pas encaissé le prix de l'essence. Ou tu payes, ou tu restes. Un point, c'est tout. Bon, bah tiens. Hé, tu te fiches de moi ou quoi, là ? Il y a à peine de quoi remplir mon briquet. T'as pas entendu parler du choc pétrolier ? Compris, je dois avoir là-dedans $200. Je l'ai pas compté. Et t'osais prétendre que t'étais fauché ? Ou est-ce que t'as eu ça ? T'as assassiné une rentière ? Eh, doucement, hein ? Moi, ça tout de suite, Que je me serve d'abord, que je commence par me rembourser de tout ce que tu me dois. Et ça fait un paquet, tu sais, dans les $500. Et s'il en reste un peu, je t'emmènerai à Maui. Et donc, tout le long de la série, notre héros va sans cesse batailler avec ses trois compagnons afin de lui rendre la vie et ses enquêtes beaucoup plus faciles. D'où de grands moments de comédie qui feront énormément pour le succès de la série. Vouloir nous faire jouer Roméo et Juliette en costume hawaïen ? Ah, je trouve ça très joli, moi. Surtout pour Juliette. Oh, vous êtes un exhibitionniste. Higgins, cette pièce est universelle, elle peut se jouer dans tous les styles. Vouloir jouer du Shakespeare habillé en sauvage, il y a de quoi frémir. Bonne nuit. Cependant, ces quatre personnages souffrent de nombreux traumatismes dus aux batailles qu'ils ont accomplies dans leur jeunesse. Et chacun d'eux illustre une façon de survivre aux ravages de la guerre. Thème de la guerre qui sera constamment présent tout le long de la série et marque de fabrique du showrunner Belisario. J'y étais, vous savez. Où ? À Nuremberg, pendant le procès. Ils avaient tous des excuses, des raisons valables. Même les soi-disant figurants. Mais quand vous avez vu les films, les camps, vous réalisez qu'il n'y avait pas de figurants. Je tenais à vous le dire. D'ailleurs, le grand drame de la vie de Magnum est lié à ce thème, vu que son épouse a été tuée lors de la guerre du Vietnam. Mais lors de la saison 2, le détective apprend que celle-ci est vivante et mère d'une petite fille. Tom, pourquoi n'es-tu pas resté à l'écart de tout ça ? Parce que je t'aime, Michel. Moi aussi, je t'aime. Pourtant... Pourtant, tu es un autre. Et tu dois repartir.
restons-en là, veux-tu? Garde-toi bien, mon amour. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions. Mais sa mort définitive dans la saison 8 poussera notre héros à traquer son assassin et à tenter de le tuer. Lily Catherine, ma chérie, quoi que je sache que jamais tu ne liras ceci, j'ai éprouvé le besoin de t'écrire pour te dire que je m'étais conduit là d'une façon qui, je crois, t'aurait rendu fier de moi. Cependant, dans le tout dernier épisode de la série, il réussira à retrouver sa fille et assumer enfin ses responsabilités de père et de cesser de vivre au crochet de ses amis. Alors, tu es la fille de Thomas? Alors là, j'en crois pas mes yeux, tu sais. Non, mais c'est Carole, bien vrai. Carole, je ne plaisanterai pas avec ça. Tu vas me rendre un service, hein. Voici, ma chérie, hein. Et maintenant, je te présente la gentille tante Carole. Tata Carole va s'occuper de toi pendant que papa, il va faire des commissions. Oh, tu t'entends, papa? T'as une autre façon de dire, toi? Si la première saison est assez classique, les auteurs s'amusaient déjà à se moquer des séries policières de l'époque avec une voix off parodique et un héros regardant directement le téléspectateur dans les yeux. Hey, Yins! Je savais que j'allais rester! J'ai du nez! Mais c'est à partir de la saison 2 que la série trouve complètement son style et se met à enchaîner des épisodes mythiques dont le fond et la forme font totalement exploser les limites des séries de l'époque. En effet, si ces dernières produisaient des épisodes avec des scénarios et une réalisation interchangeables, chaque épisode de Magnum était différente de la précédente. À savoir qu'un épisode comique pouvait succéder à un récit fantastique et un drame à une histoire de guerre. Et ce, parfois dans le même récit. Et certains épisodes vont même plus loin et proposent des moments rarement vus à la télé. Comme ici avec Record battu, où Magnum, perdu en mer et au bord de la noyade, se remémore ses souvenirs les plus difficiles. Un chapitre émouvant et introspectif. Tiens le coup, fiston. Lunaire, Tommy, n'abandonne pas. C'est bien. Nage. Je ne peux plus. Si, tu peux encore. Concentre-toi sur quelque chose, Tommy. Concentre-toi. Avec cette alliance, je t'épouse. Dans les miroirs de l'âme, Magnum se réveille dans les années 30, dans une réalité assez proche de ce qu'il vit d'habitude. Bien sûr, il finira par se rendre compte que ce n'était qu'un rêve, qui cependant lui permettra de résoudre une enquête. La Ferrari, où est-elle? Vieille branche, et je vous fiche la paix. La Ferrari? Mais de quoi diable parlez-vous? Oh, elle est magnifique. Ça, je l'avoue, là. Ça n'a rien d'étonnant. Elle vient juste d'être repeinte après l'accident que vous avez eu dans le champ de canne à sucre. C'est le frein à main, là? Oui. Pourquoi voulez-vous qu'il ait changé de place? Je ne crois pas que vous soyez en mesure de conduire. Vous voulez rire, Higgins, allons. La série se montra également très novatrice dans l'agencement des épisodes. En effet, à l'époque, dans les séries de pur divertissement, chaque épisode était indépendant, mais dans la saison 5, au début de Prémonition, le personnage de Sharon Stone se suicide. Je vous aime. Ce qui fait que dans l'épisode suivant, Magnum a toujours du mal à se remettre de cet événement, ainsi que d'autres survenus dans d'autres chapitres. Une première, car à l'époque, les séries et les feuilletons ne se mélangeaient jamais. Je sais que vous aimiez profondément Diane, mais... Il ne s'agit pas seulement de Diane. Il y a Michel, il y a Mac, la petite sœur de Rick, Dan Cook, la petite vietnamienne dont je me souviens même plus du nom. Et mon père est... Et tous ceux que j'ai aimés, tous ceux que j'aurais dû protéger et qui ont disparu. La série bouscula également les codes moraux des héros de l'époque. En effet, à la fin de l'épisode « Avez-vous vu le soleil se lever ?», Magnum, face à un ennemi impitoyable, s'apprêtant à rester impuni, décide de l'abattre de sang-froid. Un acte brutal que le producteur a eu beaucoup de mal à imposer à la chaîne CBS, mais qui maintenant est rentré dans les standards de la télé avec des séries comme 24 heures. Si vous avez l'intention de me tuer, faites-le. Mais vite. Mais vous ne le ferez pas. Vous pourriez me tuer si j'étais armé et si je vous poursuivais. Mais pas comme ça. Ivan. Ah oui? Regardez, le soleil se lève. Oui. Pourquoi? Au bout de la 7e saison, la série en perte de vitesse à cause des audiences manqua d'être annulée. Le dernier épisode montre Magnum dans le coma, tourné autour de ses amis en tant que fantôme, puis s'avancer vers une lumière blanche symbolisant le paradis. Magnum ! Si je vous ai offensé, pardonnez-moi mes revenus. Magnum ! Magnum ! Pardonnez-moi ! Si vous ne me pardonnez pas, vous ne saurez jamais qui est Robin Masters.
Cela mérite bien que vous reconsidériez la question. Mais le public se mit à réclamer son retour. Et Magnum sortit du coma et continua ses aventures lors de l'ultime saison 8 qui conclut magnifiquement la série. Et ce avec l'épisode final qui résoudra également la grande énigme Robin Masters, à savoir si Higgins était oui ou non le célèbre romancier. Ce dernier finira par dire la vérité à Magnum. Êtes-vous ou n'êtes-vous pas Robin Masters ? Je le suis. Vous l'êtes ? Oui. Vraiment ? Ça, je l'aurais juré ! Je le savais ! J'étais sûr que j'avais raison ! Oui, mais voilà. Lors des dernières secondes de la série, il remet tout en question. Magnum. Le rite de notre sainte mère, l'église. Vous savez ce que je vous ai dit pour Robin Masters ? Et de l'honorer et lui obéir dans la richesse. Oui, son âme, comme dans la pauvreté. Je voulais être tranquille. La chérir, dans la maladie comme dans la bonne santé. De vrai ? Un mystère qui, au final, ne sera jamais résolu. Bref, il faut redécouvrir Magnum, une série aussi divertissante et drôle qu'elle est originale et novatrice. Voilà, c'est la fin de notre premier épisode. Je vous retrouve très bientôt pour le deuxième et donc pour la nouvelle série.